Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Salam. Enfin, aujourd'hui, on va ouvrir notre propre fast-food depuis le temps que vous l'attendez. Donc ça va être à base de tacos, burgers, et il y a aussi Yacine avec nous. Yo! Par contre, seuls les abonnés pourront manger dans notre fast-food. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi et tu vas pouvoir te régaler. Première étape, on doit créer nos propres recettes avant de livrer les abonnés, puisqu'il faut vraiment que ce soit incroyable. On va aller dans la cuisine, on va créer un bon tacos, et je pense que les abonnés vont être super contents. Par contre, le nom de notre restaurant s'appellera Food Familia. C'est même pas négociable. Je sais, Younes et Myriam, vous voulez... Non, c'est pas négociable. Pour inaugurer notre restaurant, bah bien évidemment, il nous faut une recette signature. Il faut qu'on la teste. Si on fait goûter directement aux abonnés, ils vont péter un câble. Donc là, on va tester une recette. Tu la goûtes? Ouais. Ok, on a pris les meilleures viandes pour nous dans le tacos. C'est cordon bleu vs kebab. Sauce creamy de luxe. Par contre, Myriam, dans les sauces, on est généreux pour les abonnés. Ouais, bah il faut pas avoir la dorsée non plus. Le bon combo ketchup. Ça, on va direct avec le cordon bleu. Ouais. Est-ce que ça peut être un bon tacos ça? Ouais, on va goûter et on va voir qu'est-ce que ça donne. Kebab, cordon bleu, ça va être un combo vraiment, vraiment incroyable. Ensuite, on vient rajouter les frites. On les met à quel moment les frites? Avant le fromage, comme ça, à fondre sur les frites. Ok, hop, on rajoute ce fromage. On a décidé de choisir celui-là, c'est notre préféré avec Myriam. Ça va fondre. Ouais, ça va bien fondre. Après, faut pas être trop généreux sur les. Ouais, parce qu'après, on va pas être rentable. Si on est trop généreux et les abonnés, on leur vend pas trop cher, on va pas trop être rentable, les gars. On rajoute ça aussi. Voilà notre premier tacos, on va voir comment on plie, mais c'est très important. Voilà notre premier tacos, bien évidemment on a aussi la machine, c'est ça qui fait plaisir. La machine elle est sale, c'est quoi ça? Va falloir la nettoyer. Nous on la nettoie pas et les abonnés ils trouvent des miettes de cordon bleu dedans. Ok, on fait cuire ça et on va tester le premier tacos code familia. Mais attends, mais Younes, dans ce que t'as fait là, si on continue comme ça on va être en perte. Comment ça? Tu l'as trop blindé le tacos. Oui mais il faut que les abonnés soient calés, non? Non mais t'as mis deux viandes, t'as mis... Franchement je te dis la vérité, moi sur le principe je suis pas tout à fait d'accord. Myriam va tester, tu vas pouvoir tester. Déjà sur l'aspect visuel ça va, t'as fait du bon travail. Ça c'est pas mal, Myriam tu vas pouvoir le tester, tu vas voir ce que c'est gustativement. Mais Younes, on va être en perte à cause de toi. Tu penses? Ouais, vas-y, bismillah. Ok, un croc au milieu. Regardez pour l'instant les gars, dedans comment il est. On voit bien le cordon bleu, on voit bien tout là. Alors moi pour ma part, le tacos, vu qu'il y a deux viandes, c'est pas trop bon, du coup on devrait en mettre qu'une seule. Ah ouais? Ça serait mieux. Ça fait trop de viande. Ouais. Et du coup tu partirais sur laquelle toi? Sur la kebab ou la cordon bleu? En vrai, ce que les abonnés ils demandent quoi. Voilà. Ensuite pour le fromage, j'aimerais bien qu'on change le fromage, qu'on mette un autre. Trouver un autre fromage, ça serait bien. Ok, une viande et un fromage. Non, à part ça il est bon? Ouais, à part ça il est incroyable. Vas-y, bah je m'occupe de changer ça, t'inquiète, okay. Je vais ramener d'autres. Bah moi je vais me poser là-haut, je vais attendre pour voir s'il y a des commandes ou pas. Ouais, la Code Familia, j'ai vu que vous avez créé un nouveau restaurant, j'aimerais bien goûter un tacos, je fais ma commande, kebab et ketchup, je pense ça ira. Pour faire les livraisons les gars, il me fallait un véhicule de choc, donc là j'ai reçu le Fido Titan. Je vais vous le présenter, normalement avec ça, il n'y a aucun client qui va me dire oui t'es en retard, oui les fast-food ils sont froids. Déjà regardez la taille des roues, avec ça on est sûr d'aller sur la route, sur la terre, ou s'il y a un abonné qui habite dans la montagne, je pourrais venir. Ici on a bien évidemment pour mettre nos livraisons, alors un deuxième passager, la selle qui est super confortable la famille, et le plus important c'est qu'ici on a un moteur électrique, tout ça là. Et le vélo il peut durer 400 km/h d'autonomie. Je l'allume tout de suite, je vous montre. Vous voyez, 0 km/h. On peut se mettre en mode éco pour économiser. On peut se mettre en mode normal. On peut se mettre en mode sport, en mode turbo. Et si on est vraiment en retard, on se met en mode turbo plus. Et là on bombarde. Ici nous avons la première sonnerie, la deuxième. Et bien sûr s'il fait nuit, il y a un abonné qui me dit je veux un tacos. J'allume ma petite lumière les mecs. C'est une dinguerie, mais le pire, c'est qu'il y a 9 vitesses. Vous allez dans votre vélo, vous cliquez code familia livraison. Et ici, on peut éteindre les feux. On peut le bloquer pour pas se le faire voler. Ça peut aller jusqu'à 45 km/h et on peut mettre 200 kg. Donc, deux mecs bien balèzes dessus. Et regardez juste l'accélération. Avec des bonnes suspensions. Je m'occupe du tacos d'Enzo, les gars. Enzo, c'est un mec, il a faim. Faut être bien avec lui. Faut pas lui faire un tacos de minimos. Donc, on va commencer par la sauce ketchup. Puis, je sais qu'il kiffe le ketchup, Enzo, dans mes souvenirs, Yacine. Et on va lui mettre la viande kebab. Myriam a dit qu'on mettait pas de viande. On respecte. Voilà, c'est parfait pour l'instant, les gars. Myriam, on lui fait pas trop confiance. Faut qu'elle fasse encore ses preuves. Ensuite, on va lui mettre ce fromage-là. Je pense que ce fromage, ça peut faire la diff, les mecs. Ah, tu mets pas du fromage normal. Tu mets du fromage râpé. Ça va faire la diff, t'inquiète. Vous avez vu, on a plusieurs recettes chez la famille. Plusieurs recettes. My frites belge. Ouais, remets un peu de sauce, après. Je remets de la sauce. Ouais, quand même. Faut pas que ce soit sec. Un peu de sauce. Impeccable. Faut qu'on sache tout faire. Panique pas. Sois, prends ton temps. Voilà. Et là, mon gars, tu replies des. Impeccable, ça. Je crois que je l'ai mieux plié que toi. Impeccable. Là, faut pas se rater. C'est préparé les gars, il va s'équiper, il a mis sa GoPro sur la tête, il va mettre des ASICS pour être à l'aise et il va prendre le bolide là pour directement aller livrer Enzo. Par contre Younes, on avait rendez-vous à 13h30, regardez les quelle heure. Il est 40, on a 10 minutes de retard. Enzo, il va péter un câble. Il va péter un câble, donc dépêche-toi, fais vite. Fais vite et on est parti, on décolle tout de suite. C'est parti les gars, on doit aller livrer la commande très rapidement. Je suis en train de tester le vélo en même temps. C'est une dinguerie les gars, faut pas qu'on arrive en retard. Allez, on y va. Je vais essayer d'accélérer un peu. Ça va trop vite, c'est une masterclass. Attendez les gars, il y a un petit... Faut que j'entraîne mes jambes parce que là mes jambes elles sont pas habituées pour la livraison les gars, on est bientôt. Allez on continue. Les gars on arrive à destination, le client est là. Ah c'est une dinguerie pour arriver jusqu'à là mec hein. Ça va ou
Ça va ou quoi, mec? Tu vas bien? Ça va et toi? Ah, c'est une dinguerie pour arriver jusqu'à là. Oh là là. Je t'ai ramené ton colis. J'espère que t'as faim là. Eh, si tout s'est renversé, j'ai trop la rage. En plus, il est bien chaud, c'est carré dans l'axe. J'espère vraiment, les gars, que ça s'est pas renversé. Parce que j'étais en train. Le vent, il me tabassait le vent. Ok, c'est parti. Chitaco, c'est la base. Il va tester ça. Là, sois honnête, hein, dis la vérité. C'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Prends ce qu'il a fait. C'est lui. C'est moi qui l'ai fait le tien. Ça a le même goût que les tacos du grec. Pour l'instant, les gars, il m'a dit ça a le même goût que les tacos du grec. Moi, je suis content parce que les tacos du grec, pour moi, je kiffe. Au taco, c'est un peu trop bourratif. Il y a trop de sauce fromagère et tout. Ça va, tu kiffes? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour la prochaine? D'autres saveurs, d'autres goûts. Ouais, en tout cas, tu mets une note de combien? 9. Merci beaucoup, mon gars. C'est validé. Premier client, les gars. Et qu'est-ce que t'as à dire sur le retard? Parce que t'as vu, à chaque fois, les restaurants, ils sont en retard. Désolé. Là, qu'est-ce que t'as à dire sur le retard? Il m'avait dit 30, je regarde l'heure. Il est 50. Non, désolé, mec. Mais les livreurs, ils ont enlevé des étoiles. Ouais, c'est vrai, j'aimerais enlever des étoiles. Tu as enlevé une étoile là? Non, moi non. Okay. Pour la prochaine, les gars, je serai de faire oui, attention. Il a tout pour la prochaine, je ferai attention, Inch'Allah, je serai d'arriver à l'heure la prochaine. Salam la côte familia, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et j'ai su que vous avez ouvert un nouveau fast-food et j'aimerais bien que vous me livrez. Ah, il a rien dit. Attends, laisse-moi. Il a rien dit. Il y a une deuxième vidéo. On peut redormir. Il y a une deuxième vidéo, vas-y, Myriam. Tacos en boisson oasis pomme cassis, s'il vous plaît, merci, au revoir. J'ai pas d'oasis pomme cassis, moi. Comment on va faire? J'ai une solution, les gars, on va tout faire nous-mêmes. Allez, ça fait une commande, c'est parti, on s'en occupe. On a rapporté des nouvelles sauces et du nouveau fromage, vous allez voir ça tout de suite. On commence avec la sauce andalouse. C'est parti, Yacine, applique-toi. Tu sais que je suis en stress. Mais hein. Moi, je suis en stress. Dinguerie, ok, donc on va mettre la sauce un peu généreuse. Lui, il aime bien, il est pour que ce soit ouais, généreux. C'est bien généreux. Que une viande, Yacine, applique-toi. Okay, bah. Mais en pas trop, sinon le tacos, il va pas fermer. Les frites Myriam, c'était validé, elle a dit, donc c'est carré. Okay. On est obligé d'être dans le speed, les gars, on a un fast food, on doit aller vite. C'est un fast food, ça va vite. D'ailleurs, les gars, pour le début, les prix des commandes, on va les mettre gratuits parce que c'est les premières visions, tu vois, faut tester le fast food. C'est vrai. Remets de la sauce par-dessus. Pas de problème. Vas-y, referme-le proprement comme au McDo. Après. T'inquiète, Anis, ta commande elle arrive. Stress. Oh, Younes, je sens pas, faut les mettre deux pattes. Faut les mettre deux pattes, tu penses? Mettre deux pattes, frère. Let's go. Ça le fait, ça. Pour la boisson, il a demandé un oasis, mais on n'a pas d'oasis. Mais nous, comme dans notre restaurant, on fait tout maison, on va faire une boisson maison. Donc là, on a pris une bouteille d'eau qu'on a vidé un peu d'eau. Et on va y rajouter, les gars, du sirop de pêche. Je pense en vrai, ça va faire mieux, wesh. Ouais, ça va faire en plus, il n'y a pas trop de sucre, du coup, il aura pas le diabète. Les gars, je pars pour la deuxième livraison. J'ai rendez-vous à 14h10, il est actuellement 13h50. C'est à peu près à 10 minutes en voiture, donc va falloir que je bombarde, sinon je vais encore être en retard. Mais les gars, Yacine, il est en train de s'amuser, on est en train de faire des livraisons, on est en train de faire. Oh, Yacine, ressaisis-toi, il y a le client, regardez, il est 14h02, on a plus que 8 minutes pour arriver, il est en train de s'amuser. Trop confortable avec le vélo, les gars, c'est une dinguerie. Ah, la GoPro, là, il me reste quoi? Il me reste 5 minutes pour y aller, va falloir qu'on se presse quand même un petit peu, les gars. On est parti pour la livraison, franchement, je vous dis la vérité, le vélo, il est super confortable, c'est une dinguerie. Regardez, j'ai mis le mode turbo plus, mais c'est vraiment gérable, c'est-à-dire je peux accélérer quand je veux, je peux reculer quand je veux, je peux tout faire quand je veux, avec les amortisseurs et tout là. Moi je vais sur le trottoir. Wow. On passe devant, vas-y, il nous reste quelques minutes. Ok, j'accélère. Regarde dans la ligne droite, on est arrivé. Je sais pas si je suis en retard ou pas, mais je fais au plus vite, vraiment, je fais au plus vite, je sais pas si je suis en retard, les gars. On est arrivé sur la zone, maintenant il faut trouver le client, je sais pas il est où. Vous allez me tuer, est-ce que je suis en retard? Non. Il est combien? Oh là là, je suis arrivé pile poil, elle est belle. Bon, j'ai ta livraison, j'ai ta commande. Du coup, t'avais commandé quoi? Un tacos kebab. Ok. Algérienne vide. Ok, on va lui faire ça. Lis ce qu'il y a marqué déjà sur le papier. Et par contre pour la boisson on n'avait pas d'oasis mais on a fait une boisson maison. Attends, je vois qu'il y en a un. Viens, je sais que t'as faim, toi aussi. Tout le monde va goûter, les gars, tout le monde va goûter. Sois honnête, hein, parce que regarde, ça va, tu vas bien. On veut ouvrir un restaurant, tu vois, et on teste des recettes. Donc sois honnête, si c'est pas bon, tu dis c'est pas bon, d'accord? Tu dis la vérité, tu dis ce qu'on peut améliorer. Ok, les gars, on a besoin d'avis. On a tous votre avis comme ça. On a tous votre avis. On veut votre avis sincère, hein. Si c'est pas bon, vous dites c'est pas bon. Si c'est bon, vous dites c'est bon, la vérité, les gars. Le tacos, il est très bon, il y a beaucoup de goût. Juste, il a pu pucher, mais sinon... Il est un peu petit, ok, lui il voudrait plus de quantité, vas-y c'est carré à vous, bagarre. En tout cas, j'ai dit, tu m'as commandé 27 sur 10, il est incroyable et il est pas sec et la viande elle est magnifique. Ok bah les gars, deuxième commande validée, par contre on va pas s'arrêter là, j'ai vu il y avait un ballon. Il veut le ballon. Ouais, on va jouer un peu. Je vais goûter la boisson maison. Ah oui, la boisson maison. On va goûter comme ça, c'est carré. Goûtez les gars là. C'est grave. C'est carré les gars, c'est carré. Pour l'instant c'est validé, on essaiera d'améliorer pour la prochaine, mais pour l'instant là les gars c'est football. Tu fais tac et tu la reprends. Moi je sais même déjà avec des ASIC j'ai du mal. Oh Anis il est agressif hein. Bon allez. Les gars, moi je pense dans le fast food il est incroyable, sauf que ce qu'on pourrait améliorer c'est que déjà on est moins en retard. En plus on fait des boissons à tous les abonnés parce que là déjà on n'a pas fait de boisson à MZ, on a que fait à Anis et qu'on essaye de faire cette fois de l'oasis, t'es pas d'accord?
Ouais, franchement, de l'audit, ça serait super bien. Famille, en tout cas, pour faire ce genre de vidéo, le vélo, il est incroyable. Dites-vous, j'étais en retard. J'ai mis le mode Turbo Plus, c'est monté à plus de 40 km/h. Je suis satisfait à 100% du vélo. On a fait quand même pas mal de chemin, regardez. Il reste pas mal de batterie, les gars, donc ça tient vraiment, vraiment de ouf. Voulez-vous le procurer, il est en description. Si cette vidéo atteint les 10 000 likes, les gars, ça va être incroyable. Moi, je vais vous laisser là, les gars. Prenez soin de vous. Et gros dédicace à Anis et à Boubacar. Dédicace à Sofiane et Hicham. Dédicace à Ladji. Et ouais, c'est...